Chers enfants dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu pour sa fidélité et sa loyauté envers ses serviteurs et ses saints. Le mois de septembre sera un mois très chargé, un mois où nous avons des objectifs que nous allons atteindre. Nous bénissons Dieu qui, au milieu de toutes ces choses, a été fidèle envers nous, envers nos familles. Et nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ et nous renouvelons notre engagement à l'aimer et à le servir encore jusqu'à ce que la mort nous enlève de la terre des vivants. Le mois de septembre est un mois de grandes réalisations, de grands objectifs que nous devrions atteindre parce que vous savez que pendant ce mois, nous sommes en train de lancer une grande opération pour pouvoir bâtir la maison de notre Dieu. Voilà pourquoi le thème de ce mois, c'est « Qui bâtira la maison de l'Éternel avec moi ?» Qui bâtira la maison de l'Éternel avec moi. Alors il faut dire que nous aurons trois axes centraux sur lesquels nous allons travailler pour pouvoir réaliser le rêve de Rema Ministry Mission de bâtir une maison exemplaire, une maison qui serve de référence à notre Dieu, une maison à la gloire du Dieu dont nous sommes les serviteurs. Je parle de vous et je parle de moi. À partir du moment où Dieu vous a rattaché à notre ministère, qui est votre ministère, le Seigneur a fait de vous un bâtisseur de sa maison. Dans tous les cas, votre responsabilité est grande vis-à-vis de ce ministère. Voilà pourquoi je ne dois même pas insister là-dessus. Je vous rappelle juste ce que vous connaissez déjà et la bataille dans laquelle vous et votre maison êtes déjà engagés. Qui bâtira la maison de l'Éternel, notre Dieu, avec moi. Nous aurons trois grands axes pendant ce mois de septembre. Le premier axe, ce sera les grandes conférences de bienfaiteurs qui se tiendront à Yaoundé et à Douala. La grande conférence des bienfaiteurs de Douala se tiendra mardi le 29 septembre à partir de 17h en Dogbon, derrière l'immeuble Kamlay, et à Yaoundé ce sera mercredi le 30 septembre 2020 à partir de 17h à Itouaméki. Ces deux conférences des bienfaiteurs seront l'un des premiers axes sur lesquels nous allons travailler ensemble pour pouvoir continuer de bâtir la maison de notre Dieu en sorte que le 1er novembre, on puisse livrer, qu'on puisse au moins faire le premier culte dans l'église que nous sommes en train de construire. Dans tous les cas, ne restez pas sans rien faire. Ne restez pas inactifs. La voix que vous êtes en train d'entendre est l'interpellation de Dieu pour vous afin de vous réveiller dans votre esprit et de vous rappeler la responsabilité qui est la vôtre. Votre responsabilité. Et au-delà de venir s'asseoir juste pour écouter la parole de Dieu, vous n'êtes pas un chrétien passif, vous êtes un chrétien actif. Donc je vous convie à assister très nombreux à ces deux conférences de bienfaiteurs. Mardi le 30 septembre à Douala, derrière l'immeuble Kamlay en Dogbon, et mercredi le 30 septembre à partir de 17h à Itouaméki. Venez très nombreux, s'il vous plaît, venez, ne restez pas à la maison. Dieu vous accorde une opportunité, Dieu me donne une opportunité. Nous devons livrer cette chapelle cette année au nom souverain de Jésus-Christ. Le deuxième axe sur lequel nous allons travailler, c'est la conférence de Joseph d'Arimathée qui se tiendra samedi le 19 septembre à Easy Offices au niveau du Centre international de l'artisanat qui est situé au carrefour Indépendance, juste monté en rouge. Je vous attends très très nombreux. Pendant cette grande conférence de Joseph d'Arimathée, nous venons pour susciter des fonds. Nous venons déposer nos contributions pour accélérer le processus de la construction de la maison de notre Dieu à partir de 100 000 francs en montant, d'après ce que Dieu mettra dans votre cœur. La Bible dit que c'est Dieu qui suscite en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Jusqu'ici, vous n'avez jamais lésiné concernant cette œuvre. Je bénis Dieu pour tous ceux qui se sont démarqués, donnant leur contribution selon la mesure de grâce que Dieu leur a donnée. Je sais que mon Dieu vous remboursera avec une mesure immesurable de grâce, de bénédiction, pas pour vous seulement, mais pour vos enfants. Et que cette contribution devant l'Éternel est considérée comme un acte de justice qui parlera de génération en génération à vos descendants dans le nom souverain de Jésus. Donc, venez très nombreux à la conférence de Joseph d'Arimathée ce 19 septembre à partir de 10h, de 10h à 12h. Toutes les villes du Cameroun, je vous convie à venir. À l'extrême nord, nord-ouest, sud-ouest, partout, littoral, nous vous attendons très nombreux. De 10h à 12h, prenez votre voiture, soyez là pour cette conférence
de Joseph d'Arimathée, la toute première édition. Et nous bénissons le Seigneur. Le troisième axe, c'est opération 1000 francs pour bâtir la maison de mon Dieu. Opération 1000 francs pour bâtir la maison de mon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les dimanches, pendant les cultes de dimanche à Yaoundé comme à Douala, tu viens avec 1000 francs. Si vous êtes en famille, peut-être vous êtes 5 membres de la famille, vous voulez connecter chacun des membres de la famille, vous venez. Vous avez 5000, besoin juste de 5000 francs. Et à chaque enfant, les parents, peut-être 2 parents, 3 enfants, chacun donne 5000 francs. 5000 francs avec la conférence des bienfaiteurs. Je veux bénir Dieu pour les bienfaiteurs qui jusqu'ici ont été un soutien indéniable pour notre ministère. La conférence des bienfaiteurs est quelque chose de grand, quelque chose d'inoubliable dans ce ministère. Je bénis Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons et bénisse vos enfants. Donc, en travaillant avec l'opération 1000 francs pour bâtir la maison de mon Dieu, en travaillant avec la conférence des bienfaiteurs, les deux conférences de bienfaiteurs à Yaoundé et à Douala, et avec tous nos bienfaiteurs internationaux, que Dieu vous bénisse aussi mes enfants. Vous êtes braves, vous êtes nos héros. Alors, plus la conférence de Joseph d'Arimathée, je pense aussi tout le monde s'y met. Nous allons finir cette chapelle avant 2021, avant le 1er janvier 2021. Mon objectif, c'est que nous fassions l'Exodus Night sur le site de l'église. Voilà pourquoi nous nous battons. Je me suis battu, mon épouse et moi. Nous avons fait ce que nous pouvions faire et nous continuons de faire ce que nous pouvons faire. Nous le faisons sans discrimination, nous le faisons sans nous plaindre. Nous le faisons sans murmurer parce que la Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec un bon cœur. Nous l'avons fait selon ce qui est écrit. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Nous l'avons fait pour le Seigneur et je sais que vous aussi, vous le ferez pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'innovation de ce mois de septembre, c'est le culte des familles avec service d'eau ointe, le premier culte des familles avec service d'eau ointe qui se tiendra dimanche 27 septembre à partir de 16h à Etoua-Meki. Nous avons un grand culte familial avec service d'eau ointe et présentation de nos offrandes familiales. Beaucoup de gens se sont plaints que nos familles n'ont pas été consacrées à notre Dieu. Nous et nos enfants, nous et nos maisons n'avons pas été consacrés et nous n'avons pas présenté nos offrandes familiales à Dieu pour nous rattacher encore à l'Éternel, notre Dieu. Donc ce dimanche 27 septembre, à partir de 16h, c'est le culte familial, le grand culte familial avec service d'eau ointe et consécration des familles à Etoua-Meki. Nous nous présenterons avec nos offrandes familiales et je sais que le Seigneur se manifestera avec bonté. En même temps, ce même dimanche 27 septembre, nous aurons aussi le culte des familles à Douala avec service d'eau ointe et consécration de nos familles et nous nous présenterons avec nos offrandes familiales devant notre Dieu. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui, pendant ces temps difficiles, nous a gardés. Et nous voulons lui dire que nous l'aimons et que nous lui appartiendrons jusqu'à notre mort. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous assistez à tous nos programmes. Tous les dimanches, nous avons culte en Dogbon, à Douala, de samedi à dimanche. Nous avons des week-ends prophétiques qui vont du samedi à partir de 16h et puis dimanche 8h. Nous finissons à midi et nous faisons le culte le soir. Et toi, mec, à partir de 16h, que Dieu vous bénisse. Donc que la main de Dieu soit sur vous, vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vous encourage, félicitations, félicitations. Mon épouse et moi, nous vous félicitons. Notre spécialité, c'est que la conférence, la première conférence sur le mariage, sur le thème « Détruire les fondations maléfiques de célibat dans ma vie et dans ma famille » se tiendra le 25, 26, 27 septembre, tous les soirs à partir de 17h. À partir de 16h en Dogbon, derrière l'immeuble Camelet, dont les habitants de Douala sont vraiment bénis. Vous êtes célibataire, ou bien vous êtes un ex-marié, ou bien vous êtes marié, vous êtes concerné. Dans tous les cas, c'est une conférence qui nous permettra de préparer les gens au mariage, de permettre à ceux qui sont mariés de bien vivre leur mariage, et ceux qui jadis étaient mariés, de se préparer pour la restauration maritale dans leur vie. Il faut dire que Yaoundé n'est pas oublié dans le sens du mariage. Il y a eu tellement de mariages célébrés ici à Yaoundé et à Douala. Dieu est fidèle. Quand nous faisons les séminaires sur le mariage, je vous dis la vérité, Dieu nous exauce. Les gens se marient. Les gens se marient. Beaucoup sont allés en Europe, se sont mariés là-bas. Chacun selon le désir de son cœur. Ceux qui veulent épouser les Noirs, Dieu les a bénis avec des Noirs. Ceux qui pensaient épouser des Blancs, Dieu les a bénis avec les Blancs. Les gens se sont mariés. Alors je parle, il y a des mariages qui se célèbrent encore à Yaoundé comme à Douala et dans d'autres églises de Réma Ministry Mission. Vous ne restez pas à la maison. Vous êtes allé chez les marabouts, ça n'a pas donné. Vous avez fait ce que vous pouviez faire, ça n'a pas donné. Vous avez utilisé Immédiat, Claire, Mekako, Zakuro, Talangaï, etc. Ça n'a pas donné maintenant.
assister à l'un de nos séminaires sur le mariage, votre vie ne sera plus jamais la même. Tout ce dont les fondations de sorcellerie avaient retenu captifs leurs maris ou bien captives leurs épouses, Dieu va libérer, va briser les verrous de fer pour vous accorder un mariage heureux. Donc Yaoundé, le 7, le 8 et le 9 octobre, le mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 octobre, à Etoamekin, nous aurons notre premier séminaire sur le mariage. Dieu doit vous donner votre mari. Dieu doit vous donner une maison stable. La Bible dit qu'il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pendant que vous venez à ces séminaires de mariage, préparez une offrande de mariage, une offrande pour dire au revoir célibat, une offrande pour briser toute autre offrande de célibat dans votre famille. Dieu se manifestera en notre faveur. Que Dieu vous bénisse pendant que vous assistez à tous nos grands mouvements de l'esprit. Le Seigneur est bon. Nous aurons des enseignements forts dans les textes hébraïques et grecs. Nous aurons la parole de Dieu avec puissance pour guérir les malades et restaurer les vies brisées. Et puis la prophétie pour révéler les choses cachées. Dans tous les cas, le menu de ce mois sera richissime. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.